Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Côté Backstage. Cette émission aura pour but de vous plonger dans les coulisses d'un métier. Nous sommes attendus aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, et nous allons vous parler d'un homme de l'ombre. Il a produit les plus grands artistes et est passé dans les plus grandes salles de France. De Johnny Hallyday à Michel Sardou, en passant par Christophe Maé et plein d'autres encore, tout le monde connaît le producteur qu'il est, mais pourtant, combien connaissent véritablement le parcours de Jean-Claude Camus, producteur singulier de sa génération. De son enfance en Normandie, où il a grandi, jusqu'au premier spectacle qu'il a organisé, Jean-Claude Camus se livre aujourd'hui, avec sincérité, sur son parcours, un reportage filmé et monté par Mehdi Daes. A tout de suite. Jean-Claude Camus, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie de venir me voir. Presque 60 ans de carrière que vous racontez dans votre livre intitulé « Pas né pour ça », sorti en octobre dernier aux éditions Plon. Vous êtes né le 28 octobre 1938 à Bernay dans l'Eure, d'une famille de 3 enfants, un papa jardinier et votre mère qui vous rêvait instituteur. On se rend vite compte que vous n'étiez pas prédisposé à devenir le producteur que vous êtes devenu. Et pourtant, quelle carrière ! Première question, pourquoi avoir eu cette envie soudaine d'écrire un livre ? Alors, ça fait 10 ans au moins que je refusais de faire un livre. D'une, j'en avais pas envie. Et puis quand vous êtes dans l'action, dans le bain, comme je l'ai été pendant tellement d'années, on ne se rend pas compte de ce qu'on est, de ce qu'on est en train de faire, etc. Et tout. Et c'est ma fille et mon successeur, Dintien Go, qui m'ont fait un grand numéro de charme l'année dernière en me disant « mais quand même, tu dois laisser une trace pour ton petit-fils, etc. et tout ». Bon, j'ai fini par dire oui. Et c'est maintenant que le livre est sorti, et c'est même pas en l'écrivant avec Bruno Tessarec, c'est depuis que j'ai commencé la promotion où dans pas mal de télévision, on me balance des images, dont certaines ont 50 ans au moins, que je réalise maintenant le parcours que j'ai fait. C'est maintenant que... Et je suis heureux de l'avoir fait parce que d'un seul coup, je prends conscience du parcours que j'ai eu. Donc pas de regret d'avoir écrit ce livre ? Ah, aucun regret, non. Aucun. Au début de votre livre, vous évoquez votre enfance difficile et la relation compliquée que vous entreteniez avec vos parents. Quel genre d'enfant vous étiez ? Ben, j'étais un enfant gâté par ma mère, puisque élevé tout seul pratiquement jusqu'à l'âge de 7 ans, mon père étant à la guerre et prisonnier de guerre ensuite. Et puis ma mère n'avait rien de mieux de me dire à l'époque, quand je faisais une bêtise, « Tu verras, quand ton père sera là, tout changera, etc. Et » tout. Donc je l'ai vu arriver quand il est rentré, un peu comme le garde-chiourme, le redresseur de tort. Et ça s'est pas très bien passé. Et comme je raconte dans mon livre, en plus, en cours de route, il y a eu cette personne... kleptomane qui volait dans le porte-monnaie de ma mère pratiquement tous les jours, et c'était moi qui étais accusé, donc ça se passait très 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 mal avec mon père en effet. En fait, j'ai découvert mon père vraiment à l'âge de 20 ans, et à 20 ans on est devenu inséparables, mais jusque-là il n'y avait que des heurts. D'accord. Et ce qui est frappant, c'est que malgré cette relation compliquée avec vos parents, c'est qu'ils n'ont pas cessé d'être impliqués dans votre vie, y compris au début de votre carrière, c'était important pour vous qu'il soit présent ? C'était important qu'il soit présent, et puis il faut bien dire qu'à l'époque, je n'avais pas de moyens du tout et que ça me rendait bien service. J'avais ma mère, on faisait beaucoup de balles, puisque c'est comme ça que j'ai commencé surtout. Ma mère tenait la caisse le soir, on vendait des billets. Mon père se mettait au contrôle pour déchirer les billets, car il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Et donc ça me rendait bien service. Et un jour, sur la place devant chez vous, s'installe un théâtre ? Le théâtre Montanari. C'est avant les balles, ça. Hein. C'est le tout début, hein, le théâtre Montanari. Bien sûr. J'habitais encore chez mes parents. J'étais encore soi-disant dans les études. Mmh.
Vos parents hébergent l'un des vieux comédiens. Voilà. Voilà, avec qui vous commencez à discuter. C'est de là qu'est née votre passion pour le spectacle ? Je pense, j'ai du mal à l'analyser, parce que c'est vrai que quand je fréquentais cette troupe, quand j'ai même eu des petits rôles ou des figurations, etc. et tout, je pense que c'est là que j'ai pris goût à la scène. Mais à cette époque encore, je ne pensais pas que ça deviendrait ma carrière. Les choses se sont faites, je ne sais pas, au fur et à mesure. Je suis parti au service militaire, et au service militaire, comme je dis dans mon livre, pas né pour ça, j'ai ouvert un petit bureau de spectacle. On en parlera tout à l'heure, évidemment. Service pharmaceutique, etc. Et les choses ont évolué, mais je ne peux pas dire qu'au départ, ça a été une vocation, une volonté. Les choses se sont faites, et je me suis mis en appétit, j'allais dire, au fur et à mesure que je faisais les choses. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cet univers ? Ce qui me plaît dans cet univers, ou ce qui m'a plu, j'ai toujours eu le goût du beau, le goût du grandiose, le goût du fantastique, et aussi de la perfection de l'organisation. C'est d'ailleurs, on en parlera sans doute plus tard, c'est ce qui a fait que des grands artistes me sont tombés dans les bras, parce que mon métier n'existait pas à l'époque. Un artiste avait un agent, allô, oui, bonjour, oui, vous voulez Johnny à Marseille, très bien, il allait à Marseille, et puis 4 jours après, c'était aussi bien Brest, et tout ça a été organisé par des bénévoles. Donc, beaucoup de bénévoles, quand arrivaient les deux petits camions, car on ne parlait pas encore de semi-remorque à l'époque, déchargeaient le matériel, là, il y avait du monde. Le spectacle commençait, il n'y avait plus rien, plus de sécurité, pour recharger les camions, il n'y avait personne, voilà, donc... Et c'est en arrivant au spectacle, quand j'ai commencé, puisque mon premier spectacle, véritable grand spectacle, c'est mars 75, quand j'achète Johnny Hallyday pour Rouen sous chapiteau. Et ça s'est heureusement bien passé, parce que si c'est mal passé, j'avais pas un sou en poche pour payer. Donc voilà, on en parlera, passé. Oui. Et puis au fur et à mesure, j'en ai acheté un, 10, 12, 20, 30. J'ai dû faire 30 ou 40 spectacles avec Johnny ou avec Sardou. Quand l'artiste arrivait à 6h du soir, c'est comment ce soir ? Oh, bon, on est en vacances, c'est Camus. C'est comme ça que les choses se sont faites. D'accord. Cette rencontre va signer le début d'un chemin de vie ponctué de rencontres, comme celle-là, plus ou moins importantes, qui ont permis de vous aiguiller dans votre carrière. Vous savez, ma première réussite, en fait, s'est faite un peu sur un coup de bluff. C'était la grande époque du rock'n'roll. Et donc avec mes orchestres, dont un qui s'appelait Tony Ripoll, je l'avais placé dans un café près du Théâtre de la Porte Saint-Martin. Toute ma vie tourne d'ailleurs et finira au Théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est très curieux. Et donc il y avait Kafkons, l'après-midi, l'orchestre jouait, le soir, etc. et tout. Et je passe le soir pour dire bonjour à Tony, et il me dit « Ah, il y a un groupe qui est passé cet après-midi, tu devrais l'écouter, je crois qu'ils sont pas mal ». Et je suis resté en effet, j'ai écouté le groupe, à la fin je vais les voir, je suis personne encore à ce moment-là, je fais mes balles. Hein. Et je dis, bonjour, vous avez une maison de disques ? Ah ben non. Vous avez un producteur ? Ah ben non. Bah, écoutez, je m'appelle Jean-Claude Camus, je m'occupe de tout. C'est devenu l'écriveur, c'est les chats sauvages. Ouais, on en parlera du coup un petit peu plus loin dans le reportage. En parlant de votre carrière, vous avez exercé pas mal de métiers qui sont complètement différents. Vous êtes passé par bûcheron, consultant en carte postale, vous avez même fait la plonge dans un restaurant. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ? Au restaurant aussi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Ben, il fallait manger, donc j'ai jamais personne qui m'a aidé. Donc il fallait quand même assurer le minimum pour vivre. Être un minimum débrouillard. Et par la suite, après votre service militaire, vous devenez alors infirmier ? C'était pendant le service militaire. Pendant le service militaire ? Pendant le service militaire, puisque j'ai fait mes classes à Chartres dans l'armée de l'air, et il y avait... On me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous choisissez une option. Je dis infirmier, c'était la guerre d'Algérie qui commençait. Et en fait, les 5 premiers choisiront leur affectation. Il y avait 3 places à Paris, je suis sorti 3e, et je me suis retrouvé à Paris, où je n'ai jamais exercé les fonctions d'infirmier, en fait. Et donc là, la passion étant plus forte, que vous mettez à préparer le soir venu dans vos bureaux un spectacle. Le spectacle d'ailleurs qui vous offrira votre premier succès. À quel moment vous vous dites « je veux devenir producteur » Jamais. Ça se fait. Ça se fait.
J'ai le doigt dans un engrenage. Je vois que je suis heureux au fur et à mesure que j'organise les choses. Je vois que je m'y passionne. Mais il n'y a jamais une vraie volonté de dire « je veux être ». Les choses se sont faites naturellement. D'accord. On parlait tout à l'heure des artistes dont vous êtes occupé, les Chasses Sauvages, qui ont été menées par un certain Dick Rivers. Pas mal pour un début de carrière, non ? C'était pas mal, c'était pas mal, mais je les ai pas gardés très longtemps parce que il y avait des gens dans ce métier qui étaient vraiment installés, beaucoup plus forts que moi. Donc, au bout de après une tournée d'été, je me suis fait piquer par deux organisateurs du Sud et j'ai perdu les Chasses Sauvages. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Gérard Dormand. Mmh. Qui succédait à Julien Clerc dans R, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je sympathise avec lui. Il était à l'époque sur une maison qui s'appelait le Disque Festival, qui appartenait à RTL, et qui fermait, donc il n'y avait plus de maison de disque. Et moi j'avais un groupe qui marchait très fort à l'époque, qui s'appelait Titanic. Et j'étais au mieux avec Jean-Jacques Souplet, qui était directeur artistique chez CBS, son père étant le président, Jacques Souplet. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi faire, je vais te faire rentrer chez CBS, je vais essayer que ce soit Jean-Jacques qui soit ton directeur artistique, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc je réussis mon coup, il rentre chez CBS, il sort son premier disque, Il, une bombe, oui. Voilà. Et comme j'étais toujours personne, pour me remercier, il a été signé chez Jacques Parwani. D'accord. Une sorte de trahison. Ah bah c'est plus qu'une trahison, oui, absolument. Donc on parlera par la suite de ce qui s'est passé quelques années plus tard. Jamais vous vous dites, c'est bon, c'est trop compliqué, j'arrête ? C'est une année en 71. En 71, bah, quand après l'histoire de Gérard Dorban et le groupe Titanic qui, comme téléphone, explose, une fois de plus, je recommence à zéro. Et là, je fréquentais à l'époque beaucoup Rouen, qui est pas loin de ma région natale, et je sympathise avec un chef cuisinier et qui me dit « Jean-Claude, il y a un établissement à vendre sur la route de la mer, sur la route de Dieppe, domaine du Château Blanc, et tout, tu voudrais pas qu'on le fasse ensemble, etc. Et » tout. Et j'ai dit « Oui, je plaque tout, et voilà, et je suis allé m'installer à Croix-Mar, près de Rouen. » Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un an. Et donc, certains artistes ont été responsables de vos pertes d'argent. Je pense notamment à Linda de Souza, qui, passionnée d'occultisme, soupçonnait le mauvais œil sur elle, allant même à s'apprêter à des rituels un petit peu étranges, déposer du sel, par exemple, sur les fauteuils. Vous décidez, pour briser votre contrat qui vous lie à elle, de bidouiller son micro. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir avant tout que, puisqu'on commence à évoquer les ruptures, on va dire, d'artistes, Je ne mets pas Linda de Souza dans... Les autres sont des blessures d'amour, parce que ce sont des gens que j'ai beaucoup aimés. Linda de Souza, d'un bout à l'autre, s'est conduite d'une façon totalement étrange, odieuse avec tout le monde, odieuse avec Jean-Pierre Cassel, aujourd'hui disparu, et qui pour moi, pendant toute cette époque, a été quelqu'un de très proche et de formidable. Et donc, elle a eu des exigences, des choses. Bon, on n'a pas eu de chance, ce spectacle, La valise en carton, démarrait au moment des attentats de Rennes, donc ce qui facilitait pas la vente des billets, évidemment. Et puis le premier week-end où j'avais enfin un week-end complet, trois présentations dans le week-end, le matin on m'appelle, on me dit « Linda de Souza est en clinique, elle est hospitalisée ». Ah bon, hospitalisée, oui, elle souffre dans le ventre, bref. Elle est restée en effet 48 heures dans cette dite clinique. Et derrière... j'ai reçu une lettre me disant ses exigences. Je veux d'abord, c'est moi la vedette du spectacle, je veux que Jean-Pierre Cassel salue derrière moi, je veux. Et moi je savais qu'après ce week-end complet, il n'y avait plus rien qui arrivait et que j'allais dans le mur avec ce spectacle, c'était mort, on l'avait assassiné. Donc je voulais pas que ça recommence. Donc au moment où elle revient, j'avais un contrat, j'étais bien obligé de continuer, et au moment où elle revient, bah, on fait une répétition évidemment de remise en route du spectacle, et je savais que la première chanson, elle sortait par une trappe de scène, et cette chanson était en playback.
Et je m'arrange avec mon sonorisateur. J'ai dit, écoute, quand elle va sortir, tu envoies la musique, mais pas la voix. Et donc, moi, je suis au milieu de la salle. C'est atroce, hein. C'est, je vous assure qu'il fallait, une volonté pour le faire. Je suis au milieu de la salle. La trappe sort. Évidemment, elle n'entend pas sa voix. Elle commence à chanter. Et moi, les bras en croix. Stop, madame. Vous chantez faux. On recommence. On la renvoie dans la trappe. Une deuxième fois, même numéro, etc. et tout. Là, elle tombe. Elle a un malaise. Malaise. Je ne l'ai jamais revue. D'accord. Et vient alors le 15 mars 1975. Vous, nouveau dans le métier, vous réussissez à acheter un spectacle de Johnny Hallyday sous chapiteau. Ouais. Vous qui aviez l'habitude de dire « Celui qui travaillera avec lui sera un roi ». Vous aviez vu juste ? J'avais vu juste, j'ai toujours eu, pendant que j'avais, moi, Dick Rivers, les Chats Sauvages, en face, il y avait Eddie Mitchell, les Chaussettes Noires, et puis il y avait ce grand blond aux yeux bleus qui me fascinait complètement. J'étais en admiration complète, et c'est vrai que je rêvais de ce type, mais je n'ai jamais pensé une seconde que je travaillerais avec lui, quoi. Et, bon, évidemment que après mars 75, comme c'était réussi, j'ai racheté un, et puis deux, et puis trois, et puis finalement une tournée que j'ai montée en été, etc. et tout. Et plus ça allait, plus j'étais en admiration devant cet artiste. Comment s'est passée votre première rencontre ? Bah, la première rencontre, vous savez, ça a été bref, il est arrivé, bonjour, on se connaissait pas. On s'était rencontrés, oui, à l'époque des Chats Sauvages, parce que nos nuits finissaient à l'époque, il y avait des spectacles tous les 20 km et on finissait tous à la terrasse du Vieux Colombier à Juan-les-Pins où il y avait Jacques Brel, Vince Taylor, Eddie Mitchell, enfin, tout le monde se retrouvait, il y avait une grande sympathie à l'époque, une grande convenance entre les artistes, et on finissait la nuit en terrasse, etc. et tout, donc on se connaissait, mais on n'avait pas de relations privilégiées. Les relations se sont faites au fur et à mesure des spectacles que j'achetais, au fur et à mesure que Johnny et Michel Sardou voyez que lorsqu'ils arrivaient dans un spectacle, tout était parfait. C'est un petit peu comme ça que les choses ont évolué et qu'on a commencé à vraiment avoir de la sympathie entre Johnny et moi. Vous organisez donc des spectacles à succès comme Madonna, Bob Marley, Michael Jackson. Et c'est en 1979, à l'âge de 41 ans, que Johnny Hallyday vient vous voir lors d'un spectacle des Supertramp. Et là, il vous dit qu'il a viré toute son équipe. Et que se passe-t-il ? J'organisais en effet Supertramp, comme tous les anglo-saxons que j'ai organisé avec mon ami Pascal Bernardin. 15 ans d'association sans un bout de papier entre nous et 15 ans sans nuages. Et à la fin du spectacle, Johnny vient en coulisses pour saluer évidemment Supertramp, etc. Et puis il me prend à part. Il me dit en effet, tu sais que j'ai viré et tout. Et il faut savoir que Johnny était toujours très réservé, est un grand timide, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Johnny me prend à part en coulisses, il me dit, tu sais que j'ai viré toute mon équipe, et là, je dis, oui. Tu accepterais de t'occuper de moi. Dans la bouche de Johnny, à l'idée, tu accepterais de t'occuper de moi. C'était une déflagration dans ma tête. Évidemment, je ne vais pas vous dire que j'ai dit, attends, je vais réfléchir. Vous avez tout de suite sauté sur l'occasion ? Ah, évidemment, c'était d'un seul coup un rêve, je dirais plutôt un fantasme même, qui était dans ma tête depuis toujours. Et d'un seul coup, les choses se concrétisaient. Vient alors à s'enchaîner vos succès. Vous produisez entre autres Sylvie Vartan, Michel Sardou, France Gall, plein d'autres encore. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui vous avez préféré travailler plutôt qu'un autre ? Oh, écoutez, c'est différent. Les artistes avec qui j'ai travaillé, je les ai vraiment aimés. Car pour faire ce métier, tel que je le pratique, on m'appelait la nounou du spectacle, moi, dans le métier, tel que je le pratique, il faut vraiment aimer les artistes. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas vous dire qu'au-dessus du lot, un irremplaçable restera toujours et toujours Johnny Hallyday, bien entendu. On a vécu de tels grands moments ensemble, on a fait des choses tellement fantastiques ensemble, et on a eu une... C'était au-delà des relations professionnelles. À ce moment-là vient la part sombre du showbiz, où certains font leur réapparition.
Je pense notamment à Gérard Lenormand, que vous aviez aidé à l'époque, mais qui, une fois devenu chanteur à succès, donc vous a trahi, on en parlait tout à l'heure, en allant signer ailleurs, et que vous croisez 20 ans plus tard dans un restaurant. Ouais, au Tongyen. Et on frôle la catastrophe. Oui, enfin, je ne suis pas très fier de le raconter. Je l'ai mis parce que ça existe et que je voulais que ce livre soit un livre de vérité. Mais c'est vrai que j'arrive au Tongyen avec l'Indian Go, donc, avec qui je faisais beaucoup de choses. Et donc, le Normand était en train d'acheter à manger pour emmener. Le restaurant était bondé. Hein. Gérard Lenormand me voit et me dit « Ah, oh, Jean-Claude !» J'étais numéro un à cette époque, vraiment numéro un. « Jean-Claude, mais quel plaisir de te voir, mais vraiment, mais il faut qu'on se voie, il faut qu'on fasse des choses ensemble. » Et là, à l'époque, mes colères étaient légendaires. Je suis parti en vrille. Et là, je lui ai dit « Comment ?» Mais je hurlais dans le restaurant, c'est une horreur. « Comment tu viens me dire ça maintenant, alors que tu m'as planté il y a 20 ans et que tu es maintenant un ringard ?» J'ai dit « Mais casse-toi !» Une horreur, une horreur. À l'heure d'aujourd'hui, beaucoup vous associent à la carrière de Johnny Hallyday. Vous avez donné de lui une image un petit peu plus moderne, vous avez fait de lui une bête de scène. J'ai rien fait de Johnny Hallyday. D'accord. J'ai rien fait de Johnny Hallyday. J'ai apporté certes des choses, etc. et tout, mais Johnny Hallyday, personne ne l'a fait. Il s'est fait vraiment, il existait. Et c'est une nature, c'est un charisme, il avait tout pour lui. Non, je n'ai pas fait de Johnny Hallyday. C'est vous, par exemple, qui avez rendu possible la débauche de 5000 projecteurs sur scène, chose qui ne s'était encore jamais faite. Le point géant sur scène qui s'avance et qui libère Johnny devant la foule en transe, c'est vous aussi. Oui. Vous ne lui disiez jamais non? Johnny le disait. Moi, je suis avec Jean-Claude parce qu'il me dit jamais non. Bon. C'était pas tout à fait vrai. C'était pas tout à fait vrai, parce que des fois je cours tourner un peu l'obstacle. Mais enfin, non en face. Si, une fois je lui ai dit non pour l'hélicoptère. Et finalement il a eu raison quand même à l'arrivée. Mais c'est vrai que je crois que c'était l'association de deux fous en fait. On était aussi fous l'un que l'autre. On avait envie toujours de plus beau, de plus grand, de plus étonnant. Et d'ailleurs, à propos de choses spectaculaires que vous lui avez fait faire, si je vous montre cette photo, qu'est-ce que cela vous évoque? Ah, le Parc des Princes. Oui. La traversée du Parc des Princes. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Ah ben là, j'étais en train de mourir. J'ai cru ma dernière heure arriver. Bon, c'était une idée de moi, de cette entrée, certes. Mais je n'avais pas prévu du tout de traverser avec lui. J'avais taki-walki sécurité, taki-walki technique, etc. et tout. Et j'avais prévu, c'était une petite erreur de ma part, pour que ça fasse beau, etc. et tout. J'avais prévu une équipe de beaux mecs, de sportifs, etc. mais qui n'étaient pas vraiment des hommes de sécurité, à part mon Jimmy Reffas, qui reste pour moi toujours le meilleur de toutes les sécurités qu'on a pu avoir. Et je ne sais pas comment je me suis trouvé entraîné avec Johnny, sauf qu'il y avait 15 000 personnes quand même sur la pelouse, que des gens qui voulaient, n'étaient pas agressifs, mais qui voulaient approcher de Johnny, qui voulaient le toucher, qui voulaient donc l'équipe des sportifs a volé en éclats, et on s'est retrouvé en fait à trois au milieu de la foule, c'est-à-dire Johnny, Jimmy Reffas et moi. Voilà. Et à un moment, j'ai eu la force, j'étais en train mais vraiment de descendre. J'allais piétiner, quoi. Et j'ai eu la force d'hurler, « Ginny, ne m'abandonne pas !» Et tout, heureusement, il m'a entendu, malgré cette magnifique musique. Je revois encore le tableau, cette arrivée, où au moment le ciel commençait à s'assombrir, toutes ces paillettes qui descendaient du ciel, retient la nuit, c'était un moment... que j'ai apprécié les jours d'après. Ce jour-là, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Et donc, il m'a extirpé et je suis arrivé comme un paquet de linge sale de l'autre côté des barrières. D'ailleurs, Johnny, qui avait pourtant bien aimé cette idée, vous l'a finalement reproché, notamment quand Jack Lang demande qui a eu cette idée. Johnny vous pointe du doigt et dit « c'est ce con ». Oui, ouais, mais en fait, c'était pas un reproche. C'était pas un reproche, mais en effet, oui, c'est ce con, etc. et tout. Ce qui ne l'a pas empêché... quelques années plus tard, dans une émission sur M6, je crois, et tout, qui a eu cette idée, c'est moi. Mais ça, c'est normal, les artistes se récupèrent toujours les choses, c'est normal. Pensez-vous avoir eu un rôle, ou du moins un impact, dans la carrière de Johnny Hallyday?
qui fait que si vous n'aviez pas été là, sa carrière aurait été différente. Ah ça, je peux pas laisser dire des choses comme ça. J'ai pas fait de Johnny Hallyday. J'ai sans doute apporté beaucoup de choses. J'ai sans doute aidé à son évolution en complicité à l'époque avec Nathalie Baye pour l'arrivée de Michel Berger, qui a été finalement le grand point du redépart de Johnny. Ça faisait deux albums qu'on ramait vraiment. C'est notre association qui a fait que. Mais j'ai pas inventé Johnny Hallyday, j'ai pas fait Johnny Hallyday. En revanche, si je n'avais pas eu Johnny Hallyday, moi j'aurais pas fait la même carrière, ça c'est certain. D'accord. On voit qu'avec Johnny Hallyday, Michel Sardou par exemple, que votre travail allait bien au-delà du travail de producteur. Ils vous impliquaient dans leur vie personnelle, vous avez même organisé l'un des mariages de Johnny Hallyday. Vous le consoliez, deux mariages, vous le consoliez jusqu'à des 4 heures du matin. Est-ce que vous n'aviez pas parfois l'impression d'être une nounou? Pourquoi vous vous en faisiez autant? C'était pas un travail. C'était pas un travail. Il y avait une telle. Peut-être appeler ça de l'amour, j'en sais rien. Mais on était tellement liés. Mais c'était aussi à l'inverse. Si j'allais mal, c'est Johnny qui m'appelait. Je sais qu'après un mauvais moment de ma vie, il m'a dit non, reste pas chez toi. Et j'étais habité chez lui pendant 3 jours. Voyez-vous, ça c'était des liens, vraiment des liens de famille qu'on avait ensemble. Et bon, bah, quand Johnny m'appelait à 4 heures du matin, alors c'était une réponse suivant les cas. Allô, je te réveille. Non, j'attendais ton appel, bien sûr. Bon, parce que lui, il est décalage horaire où il se couche tard, etc. et tout. Ou bien alors, je te réveille. Ah bah oui, Johnny, je dormais. Bah, mais tu dors tout le temps. Et ça ne vous dérangeait pas? Et ça ne me dérangeait pas. On sait parfois que les célébrités ont des trains de vie parfois excessifs. Comment faisiez-vous pour ne pas être engrainé dans ces trains de vie? Je l'ai été à un moment. Je raconte dans mon livre, hein, je l'ai été à un moment, l'époque tropézienne. Vous êtes... à un moment, vous perdez pied. D'abord... Je viens de rien, j'étais pas habitué aux belles choses, aux beaux restaurants, aux belles, etc. et tout. Puis les choses évoluant, je me retrouve moi à Saint-Tropez et tout. Et c'est vrai que j'ai eu une vie de nabab pendant quelques années où je me suis laissé entraîner. Après l'arrivée de Dietien Go, qui avait travaillé pendant 25 ans. Qui était lui plus gestionnaire au départ, il m'a aidé à mettre un peu d'ordre dans ma gestion. Mais oui, j'ai eu un train de vie à une époque, ça n'a pas toujours été Cosette. Avec Michel Sardou et Johnny Hallyday, vous entreteniez des relations un peu particulières, avec des « je t'aime, moi non plus ». Il y avait des moments de dispute qui revenaient, qui ne duraient d'ailleurs jamais bien longtemps, mais que vous ne compreniez pas toujours. Bah, je les comprenais pas parce qu'elles étaient souvent, si on parle de Michel par exemple, elles partaient de tellement rien, une porte qui s'ouvre pendant qu'il est sur scène avec un ray de lumière au fond, ça le déstabilise complètement, il sort, il est ivre de rage, il insulte tout le monde, il part en vrille. En plus, ses colères à lui, ça se passe en 3 temps, toujours. Vous savez qu'il y a la première salve, qu'il va partir dans sa voiture, il va vous rappeler, il faut virer tout le monde, et tout. Puis le lendemain matin, il n'est pas encore calmé. Puis arrive le lendemain, et c'est toute sa grandeur en même temps. Il arrive le lendemain, il est calmé, et au besoin, il s'excuse, et il vous redonne de l'affection. Et voilà, ça c'est Michel. Johnny, c'est pas pareil, lui, il se fermait. Lui, quand il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas, il ne parlait pas. Moi, j'ai jamais vu Johnny en colère, en fait. Jamais. Mais par contre, bien fermé. Et quand il allait un peu moins loin avec moi, et au moment où je disais, toi, t'en as été trop loin, je vais te faire la gueule pendant 2-3 jours, toi. Que nenni. Quand il avait décidé de vous récupérer, il arrivait avec son charme, son sourire, son machin et tout. Et on fondait comme un sucre dans le café. Et un jour, une énième dispute éclate avec Johnny. Cette fois-ci, elle dure un petit peu plus longtemps, 6 ans. 6 années durant laquelle vous n'avez plus du tout de nouvelles de sa part. Il n'y a pas eu de dispute avec Johnny Hallyday, même si, comme tout divorce, il y a eu des paroles de part et d'autre qui ont été dites et dont on a reparlé bien après, que tout le monde a regretté.
Non, Johnny avait un besoin pressant et urgent d'argent, et mon ex-associé, qui venait de vendre 40% de sa société, avait ce cash et s'est précipité dans la brèche, oubliant la reconnaissance du vent et me trahissant pour la deuxième fois dans sa vie. Donc, on a été en effet séparés pendant, oui, pratiquement 6 ans. Et jusqu'au moment où, en 2016... En mai 2016. Grâce à Laetitia, on s'est retrouvés et on s'est retrouvés d'une façon... Je me revois encore à Bruxelles, dans la loge de Johnny, avec des larmes dans ses bras. Je suis tellement content de te revoir, tellement content de te revoir, me disait-il, et tout, etc. Et c'était d'autant plus beau, après les relations qu'on a gardées, puisque j'étais avec lui pratiquement jusqu'au dernier moment, 2 jours avant son départ, il n'y avait pas d'enjeu professionnel. Donc c'était vraiment notre forte amitié qu'on avait, qui était là. Et il n'était pas question que je retravaille avec lui, j'ai un peu retraité dans le sujet, mais ça a été beau. Ces 2 dernières années avec Johnny ont été fantastiques. Et donc, depuis cette nuit du 5 décembre, cette nuit tragique du 5 décembre 2017, date à laquelle Johnny Hallyday nous a quittés, avez-vous gardé contact avec Laetitia et ses enfants ? Évidemment. Évidemment. D'abord, Laetitia m'a fait le bonheur de m'associer complètement à la famille pendant toute cette époque, puisque j'étais... J'étais avec eux longtemps à Marne-la-Coquette, dans le convoi qui partait à la Madeleine, qui m'ont emmené à Saint-Barth également et tout. Bien sûr que je garde des contacts avec Laetitia, à qui je dois, et je ne l'oublierai jamais, qu'on se soit retrouvés, parce que Johnny était aussi quelqu'un d'orgueilleux. Je ne suis pas certain que Johnny aurait fait le pas pour me retrouver, parce que... Il avait sa fierté. Il avait sa fierté, voilà. Il savait que sur le sujet, il n'avait peut-être pas été très très bien, voilà, parce qu'en fait, il avait rien à me reprocher. Et Dieu merci, je ne fais pas partie de ces artistes, enfin de ces gens qui... les artistes les quittent et on entend d'un seul coup, voilà, j'étais volé pendant des années, j'étais ci, j'étais ça et tout. Non, pas du tout, il n'y a jamais eu. Et dans le livre qui est sorti d'Amanda Ster, qui est quand même le début de notre réconciliation, où son ex-femme Adeline Londiot l'attaquait en diffamation et qu'au tribunal, elle déclare « Johnny m'a violé à 14 ans et 15 ans ». Voilà. Et moi, je roulais de Bruxelles vers Paris, il était tard, et... BFM m'appelle et me dit « Monsieur Camus, on cherche à joindre un intime de Johnny Hallyday. » Bah, je dis « Écoutez, je suis désolé, mais enfin depuis 5-6 ans, je ne suis plus très intime de Johnny Hallyday. Mais vous êtes au courant, non ? Enfin, il me raconte l'histoire. » Et là, je leur dis « Rappelez-moi dans 10 minutes. » J'avais besoin, parce que je ne faisais plus aucune déclaration depuis des années sur Johnny. Je me suis vite sur un parking sur l'autoroute, je réfléchis tout, et je dis, mais je ne peux pas me taire. Si je me tais, ça a l'air d'acquiescer sur le sujet. Et donc, ils me rappellent, et je leur explique, et je leur dis, mais attendez, il faut qu'on arrête de mettre toutes les saloperies du monde sur le dos de Johnny Hallyday. Et je conclue en disant, je ne pense pas qu'elle se soit mariée 2 fois avec lui, sous la contrainte et la violence. Bien. Bah, BFM, Los Angeles, Laetitia et Johnny, en plus, je crois que Jimmy Rafas les avait alertés. Regarde BFM, regarde les télévisions françaises, et j'étais en boucle toute la journée. Et 48 heures après, je recevais un texto de Laetitia, mon coco, parce qu'elle m'appelle toujours mon coco, quelle générosité, merci, allez, tout. Vite, faut qu'on se revoie. Voilà, et puis on en est resté là, et puis est arrivé ce mois de mai à Bruxelles, où mon promoteur qui faisait tous les spectacles m'invite à déjeuner le samedi, il faisait le midi, et rentre à l'hôtel et tombe sur Laetitia, où ils étaient, et tout, il avait chanté la veille déjà, je viens de déjeuner avec Jean-Claude. « Oh mon coco, faut que je l'appelle tout de suite !» Et donc, en effet, le téléphone sonne. Mon coco, comment ça va ? Ne quitte pas, je te parle de Johnny. Ça fait 6 ans que je n'avais pas entendu sa voix. Lui, comme si je l'ai quitté la veille.
comment tu vas, et ta jambe, il savait que j'avais eu un accident, il était au courant de tout, etc. Et tout. Je te repasse Laetitia. Laetitia, veux-tu venir au concert ce soir? Ben, j'ai dit, écoute, si je suis invité, avec plaisir. Et là, c'était les retrouvailles. Oh, ben, c'est bien sûr, j'étais soulagé. Et j'avoue que pendant toute cette vilaine période qu'on a passée au mois de décembre, à tout moment, il y avait une chose qui me revenait, qui me hantait sans arrêt. J'ai dit, mais mon Dieu, si je n'avais pas été réconcilié avec Johnny, ça aurait été pour moi, déjà que c'est très très dur, pour moi ça aurait été une horreur. Mis à part votre carrière de producteur de spectacle, vous êtes aussi lancé dans la production et la coproduction de comédies musicales, comme par exemple Adam et Ève, Dirty Dancing ou bien dernièrement Bodyguard. Vous avez aussi pris la tête du théâtre de la Porte Saint-Martin, acheté celui du Petit Saint-Martin et de la Madeleine. Pourquoi avoir fait ça? Est-ce que c'était un moyen pour vous de revenir aux sources? Alors le théâtre, je raconte dans mon livre, j'y suis venu contre mon gré. Pendant 10 ans, j'ai dit à Michel Sardou, qui rêvait d'acheter un théâtre, j'ai dit, mais on n'a pas le temps, tu vois pas la carrière que tu as, on n'a pas le temps de s'occuper d'un théâtre, etc. Et tout. Un jour, il est arrivé, il me dit, j'ai signé un compromis avec le théâtre de la Porte Saint-Martin. Je t'ai pas fait ça. Si, bah, si tu veux pas le faire avec moi, je fais tout seul. Bon, ben, j'ai dit, puisqu'on fait tout ensemble. Bon. Et donc, comme tout artiste qui se respecte, il a eu son joujou, mais au bout d'un an et demi, il n'avait plus envie du joujou, surtout qu'il était dans des difficultés, puisqu'il est en procès avec très bas, etc. Et tout, donc il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et il me dit, il faut qu'on vende. Et donc, je dis, oui, il faut vendre. Sauf que moi, entre-temps, pendant un an et demi, je m'étais vraiment attaché au théâtre, où il y a une ambiance, une histoire, d'autres relations avec les comédiens, etc. et tout. Et je suis allé voir mon banquier, toc, 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 pour me prêter de l'argent, et j'ai racheté les parts de Michel Sardou. Et en effet, depuis 2001, le théâtre de Saint-Martin est devenu un fleuron des théâtres. Je l'ai remis, mais complètement à neuf, complètement, parce que les propriétaires des murs ne sont responsables de rien. Donc le toit, les ravalements, l'électricité. Et ce spectacle est devenu un des plus beaux théâtres de Paris, avec en plus une programmation de pointe, puisque on a, avec Jean-Robert Charrier, avec qui je travaille, et que j'ai lui aussi fait monter de déchireur de billets jusqu'au poste de directeur, et on a vraiment un énorme succès à Paris. Vous avez produit et accueilli des pièces de théâtre comme Ils se sont aimés, L'homme en question avec Michel Sardou, ou encore Le dîner de cons. Avec Danny Boone. Cage aux folles. Voilà, par exemple. Vous gardez d'ailleurs un souvenir amer de la première version du Dîner de cons avec Danny Boone. Oui, c'est que le Dîner de cons était un très très gros succès. Danny Boone avait demandé à ce que ce soit Arthur qui joue avec lui. Très bien, Arthur charmant, tout va bien. Tout se passait très bien. Et comment dirais-je, il était coproducteur du spectacle avec nous. Et il y a un tel succès qu'on décide de reprendre, qu'on reprendra, on est encore à ce moment-là qu'au mois de janvier, hein, qu'on reprendra la saison prochaine au mois de septembre et qu'on va s'arrêter vers mai ou juin, peu importe. À tel point qu'il y a même une option qui est prise sur le théâtre Sébastopol à Lille. Parce qu'avant de reprendre à Paris, Dany voulait jouer le Dîner de cons dans sa région. Et puis arrive le film Les Ch'tis. Film à succès. Film à succès. Et là, tout dégénère. Et on retrouve le maroual dans le texte, le machin, etc. À tel point que je mets au théâtre, on a un tableau de service pour les et tout, je mets au tableau de service. On est prié de respecter le texte et l'auteur. J'étais un froid dans le truc. Et puis, moi, je n'avais pas fait signer d'avenant pour les prolongations et tout. J'avais été un homme de contrat, plutôt un homme de parole, gars. Et puis, d'un seul coup, un mois avant, on dit on arrête. On arrête? Ah oui, on arrête. Et ils ont arrêté. Je suis resté 5 mois fermé au théâtre, avec l'obligation de trouver très vite une pièce pour le septembre prochain, car on programme à peu près 2 ans avant le théâtre, le temps de vraiment choisir la pièce, les acteurs, etc. Et tout.
Et donc, ça, bon, c'était son droit d'arrêter, puisque je n'avais pas signé les avenants, c'est son droit, mais ça a pas été, ça reste un très mauvais souvenir pour moi. Vous avez produit des spectacles, des comédies musicales, pièces de théâtre aussi. N'avez-vous pas pensé à un moment de vous lancer dans la production musicale ou cinématographique ? Bah, la production musicale, j'en ai fait beaucoup, hein, tout au long de ma carrière. La valise en carton, Ali Baba, La légende de Jimmy, il y en a eu beaucoup. Ce film, faut qu'on passe très vite là-dessus, c'est la honte de ma vie. J'ai mis le doigt une fois dans un film, Le facteur de Saint-Tropez. C'est un très très mauvais souvenir et je n'ai jamais récidivé. Et vous avez aussi joué votre propre rôle de manager. Ah, dans Jean-Philippe. Dans Jean-Philippe, film de Laurent Tuel. Quel souvenir vous en gardez ? Bon, vous savez, ça n'a pas été une chose très compliquée parce que je jouais mon propre rôle. C'est pas quelque chose, qui m'attire parce que bon. Dans le spectacle vivant, au théâtre, vous ne faites pas deux fois la prise. Hein. Si vous vous égarez, tandis qu'au cinéma, vous pouvez la refaire 8 fois, 10 fois, 15 fois, peu importe. J'avoue qu'on n'a pas fait beaucoup de prises pour moi. Ça s'est bien passé. En un demi-siècle, vous êtes passé d'une centaine de spectateurs à 1 million de spectateurs. C'était sur le Champ de Mars, à Paris. C'était le concert de Johnny Hallyday. Quand c'est 1 million de spectateurs, vous souhaitez votre 50e anniversaire de carrière. Que se passe-t-il ? C'est un moment d'émotion, mais que j'oublierai jamais. Je crois que ça restera peut-être mon meilleur souvenir parce que j'étais pas au courant, c'était pas prévu. C'est mes collaboratrices qui avaient retrouvé une affiche de mon tout premier spectacle à Conches, qui était sous le nom de mon pseudonyme de l'époque, Pierre-Jean Beaumont, 14 juillet 1959. Et là, on était le 14 juillet 2009, et ils ont réalisé que c'était mes 50 ans de carrière. Et donc, Dintienne, bien au courant, derrière mon dos, a prévenu Éric Jean-Jean, qui présentait donc le spectacle de la Tour Eiffel, du Champ de Mars, en disant, mais aujourd'hui, c'est les 50 ans de carrière de choses. Et voilà, et moi, je suis près de la scène, avec toujours mes taquivoliques et machin, bref, et tout. Je regarde que tout se passe bien, et d'un seul coup, j'entends « Et maintenant, on va appeler Jean-Claude Camus. » Appeler Jean-Claude Camus. Jean-Claude, il me voit en plus. Je monte sur scène, mais je sais vraiment pas ce qu'il va me demander. Je pense qu'il va me parler du spectacle. Voilà. Et là, écoutez, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, Jean-Claude fête ses 50 ans de carrière, alors si vous voulez, on va tous lui souhaiter bon anniversaire. 1 million de personnes qui chantent Happy Birthday. Ah. Ça a été quelque chose. C'était une première pour vous ? Ah, bah, c'était une première, une dernière, oui, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu vivre ça dans leur vie. C'était une première, et puis pour m'achever, Dintienne. Encore en douce, avait invité tous mes promoteurs de province, de Suisse, de Belgique, avec qui je fais tous mes spectacles. Et donc, les VIP étaient sortis de la tente VIP pour vous dire le début de spectacle. Et là, Dintienne, qui est toujours d'une allure très froide et tout, viens, faut que je te parle. Je dis, merde, après une bonne nouvelle, il y en a une mauvaise. Voilà. Donc, je le suis et je rentre dans la tente VIP. J'avais tous mes promoteurs qui étaient là et qui souhaitait à nouveau l'anniversaire et qui m'a offert un magnifique jukebox d'époque que j'ai toujours chez moi. Et voilà, donc ça a été une journée chaude en émotion. On découvre alors derrière le producteur que vous êtes quelqu'un d'humain, de bon vivant. Vous êtes amoureux du spectacle avec vos blessures, notamment avec vos sœurs et votre ex-beau-frère à qui vous avez offert une carrière. Est-ce que vous pensez que c'était le prix à payer pour devenir le producteur que vous êtes devenu ? Bah, le prix à payer, non. C'est ces gens qui ont profité de moi, qui n'ont pas eu la reconnaissance du ventre. On a essayé, en principe, c'est au moment de l'héritage que les familles s'entretuent.
Là, on a presque voulu me tuer avant l'heure, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, c'est... Heureusement, j'ai pas que des trahisons. J'ai Dinh Tien Ngo que je vénère, qui mon successeur, quand il me présente d'ailleurs aux Anglo-Saxons, c'est tout, il dit c'est mon mentor. Et puis Jean-Robert Charriot au théâtre, que j'ai nommé, je l'ai connu à 20 ans, à 26 ans, il était directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, on m'a encore pris pour un fou, là, un type de 26 ans, directeur d'un grand théâtre, enfin bref. Et donc, non, j'ai quand même, heureusement, je n'ai pas que des trahisons autour de moi, heureusement. Vous avez vendu en 2008 votre société, Jean-Claude Camus Productions, connue aujourd'hui sous le nom de Décibel Productions, et vos théâtres, on en parlait tout à l'heure. C'est pas trop difficile de lever le pied quand on a couru tout au long de sa vie? Franchement non, parce que les choses se sont faites, j'allais presque dire, d'une façon homéopathique. J'ai vendu, mais on m'a demandé de rester 4 ans. Déjà président du conseil de surveillance de la société. Donc, j'aurais pu rester d'ailleurs encore plus longtemps, mais je me suis aperçu, donc c'était Dinh Tien qui était lui le dirigeant de la société, bien que moi je sois au-dessus de lui officiellement, et j'ai réalisé, parce que je voyais son talent et son envie de faire, etc., j'ai réalisé que je lui faisais de l'ombre. Parce que c'était toujours Camus, Monsieur Camus, Monsieur Camus, Monsieur Camus, voilà. Et donc, au lieu de rester... je suis resté 5 ans, en fait. Et au bout de 5 ans, c'est moi qui ai pris la décision de dire j'arrête et je pars dans mon théâtre. J'étais installé dans mon théâtre. Mais ça n'a pas été... Non, c'est pas... J'ai pas d'amertume, hein. J'ai pas d'amertume parce qu'en plus, chose incroyable... Je ne comprendrai jamais d'abord, j'ai une aussi belle réussite au théâtre. Donc je suis comblé. Et enfin, dernière question. Une fée débarque, elle peut tout changer d'un coup de baguette magique. S'il y avait quelque chose que vous referiez dans votre vie ou dans votre carrière, qu'est-ce que ce serait? Alors là, vous me posez vraiment une question. Qu'est-ce que je referais, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous améliorez que vous ne feriez pas? Oh, bah alors on pourrait plus parler à ce moment-là, parce que je suis passé pour longtemps, de par un visage que j'ai quand même un peu austère, comme j'étais tellement rigoureux, très très dur, très dur avec mon entourage, tout en les choyant, parce que... À chaque fois maintenant que je vais dans un spectacle, que je tombe sur mes vieux techniciens, et entre autres quand je me suis réconcilié, j'étais quand même des techniciens dans mes bras qui pleurent. Mais qu'est-ce que vous nous manquez? Parce que ces gens-là, je les soignais, j'ai choyé, tout ça a disparu. Hein. J'ai peut-être fait du mal à certaines personnes parce que mes colères, ma dureté, peut-être que ça, je le ferais un peu autrement. Mais... On dit toujours que pour réussir, il faut être un tueur. Alors peut-être que j'étais un tueur. En tout cas, c'est une belle leçon de vie que vous nous faites partager aujourd'hui. Toujours croire en ses rêves et ne jamais baisser les bras. Merci Jean-Claude Camus d'avoir répondu à cette interview touchante. Ce fut un réel plaisir de vous accueillir pour notre toute première émission. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Côté Backstage.